Et voilà, réponse simple et précise. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes sur Stay Focus, l'émission consacrée au sport et à la santé que vous pourrez voir tous les dimanches sur TNT TV à 19h. Donc ne ratez surtout pas ce rendez-vous. Et maintenant, direction l'extérieur, je vais vous montrer comment réaliser le mouvement Air Squat au poids de corps pour ceux qui n'ont pas accès aux salles de sport. Let's go! Voici au Parc Paufey encore une fois pour vous présenter un nouveau mouvement en extérieur. Un mouvement qui va travailler uniquement les membres inférieurs et on le connaît, ça va être le squat au poids de corps. Le squat est tellement facile que je vais vous présenter plusieurs variantes. Ok, c'est parti. Donc d'abord, pour le placement du squat, pied largeur des hanches, les pointes légèrement vers l'extérieur. Et ce que vous allez faire, vous allez pousser les fesses et descendre en arrière, comme si vous vous asseyez sur une chaise. Facile, on remonte. Encore une fois, on descend, on remonte, sortez bien la poitrine. Poussez les fesses en arrière, relevez le regard. Et on enchaîne. Plusieurs répétitions de squat. On peut aller entre 10, 15, 20 répétitions, voire même jusqu'à 30. Et on peut rajouter des variantes avec un genou en haut. On alterne les genoux. On peut changer en donnant des coups de pied arrière. On contracte le fessier lorsqu'on monte la jambe. Ou sinon, ça peut être des squats sur le côté. Ou ça peut être des squats sautés. Pour les plus athlétiques. 4 variantes pour votre squat. Les mêmes sensations. Chacun son niveau. Et voilà, tout le monde est servi.